Bonjour à tous, c'est Manu sur la chaîne de TFF YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play en multijoueur sur EU4 avec Cléasim. Salut! Salut TFF! Alors, du coup, dernier épisode pour ma part. Alors, on va de suite enlever la pause. Dernier épisode extrêmement mouvementé pour ma part. On a vécu une belle guerre avec les Espagnols qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Et on a récupéré masse de territoire pendant que Quito nous a déclaré la guerre dans le dos comme un chien. Mais on a quand même réussi à s'en sortir. Voilà. Et de ton côté, comment ça se passe? Oh, moi, je passe mes fins du monde, tranquille. Bon, je pense qu'on va faire la paix. Hein. Oh! Les Pays-Bas ont pris leur indépendance. Et l'Espagne s'est alliée avec eux aussitôt. Génial! Sachant qu'ils peuvent aller coloniser, c'est un peu gênant, oui. Ah bah, un peu. Pas qu'un peu. On va faire la paix tout de suite à Quito. Alors, c'est vrai, je pourrais aller plus loin. Cela dit, j'ai 0 de MP. Et je suis en guerre contre l'Espagne. Donc, on va pas prendre de risques. On va s'arrêter là pour la guerre. Et puis en plus, on récupère Lima, ce qui est le plus important, après tout. Colima qui déclare. Ok. Alors, indépendance de Plata espagnole, 12 000 hommes, ouais, il va falloir les gérer. Là. Alors, Leclerc. Alors si Colima vassalise les Tlapanec, ça veut dire que je pourrais peut-être potentiellement avoir trois vassaux au lieu de deux. Alors là, fais-moi plaisir. Vends-moi du rêve. Et là, les Mapuches, du coup, qui ont pu tranquillement adopter les différentes institutions, bah, ils sont tech 10-10-10, quoi, quand même. Hein. C'est pas rien. C'est joli, hein. Hein. Ouais, et ils ont clairement bien fait, plutôt, du coup, de migrer près des Espagnols, parce que ça les a fort aidés. Ça toujours. Allez, déclarer la guerre. Basque. Les prochaines paix sont en 60, donc j'ai 4 ans avant les prochaines paix de toute façon. Ça pour aller vers ma dernière réforme religieuse. Ouais, moi clairement ma deuxième réforme elle va être beaucoup trop compliquée à passer quoi. Cité commerciale, j'ai rien d'intéressant en fait. Dans mes vassaux là, enfin, je pourrais prendre des conseillers, mais ça me coûterait de l'argent déjà, qui m'intéresse pas ou peu. Et ensuite, ben. Enfin, moi, l'autorité, c'est que comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Même si le moral terrestre, je prends, hein, qu'on se le dise. Franchement, le plus intéressant, en fait, c'est juste de passer les réformes, quelles qu'elles soient, histoire de pouvoir adopter une institution, quoi. Parce que là, j'ai les institutions aux portes, au pied de ma porte. Et les provinces que j'ai prises à l'Espagne, évidemment, elles ont déjà les institutions aussi. Hein. Ça, faut le prendre en compte. Donc, en bref, voilà quoi. Oh, on est de la même dynastie que les que mes alliés, j'ai pas fait attention. Là, alors ça par contre c'est drôle à prononcer. Les prêtres ont étudié de façon approfondie le ciel et les calendriers. Ils s'accordent tous pour dire qu'une période difficile nous attend. Alors que le petit peuple et les nobles se préparent pour ce qui nous attend, nombreux sont ceux qui tentent de se préserver d'un avenir sombre en répandant leur propre sang. Yehissa Otapan Tlamazeke, tu vois, je commence déjà à Putain. parler aztèque. Où la fin est proche et je me prends plus 10 de fin du monde. Pas baisser la fin du monde, mais. Là, je commence déjà à parler aztèque. Hein. Avec un accent pourri, mais. Ouais. C'est vrai que l'aztèque avec l'accent français, quand même, c'est pas commun. Non. Je pense qu'à l'époque, ça devait pas passer inaperçu. Ouais, je pense. Ouais. Clairement. Il y en a qui ont essayé, ils sont nuls. Ah, offre de paix de l'Espagne. Oh là là, mais Qu'est-ce qu'ils te proposent? faites-moi plaisir. De la thune. Mais attends, j'ai refusé pour moi leur proposer ma paix. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire?
Je pourrais rendre une province espagnole à la France. Non, ça va aller. En fait, ils veulent que de la thune. Enfin, Ah, ils veulent. tu peux faire que ça pour l'instant, tu peux pas leur prendre des provinces, je crois. Non. Bah, par contre, de la thune, putain, 392 ducats, mec. Hein. Prends, Oh, prends. mec! Pas te Ah, faire cette gros en guerre inflation, mais complètement worse. prends. Oh, bah, de toute façon, l'inflation, j'en suis plus à ça près. T'en fais pas pour ça. Ah, oui, non, par contre, la guerre, elle est finie, mais les rebelles, ils sont encore là. Ah, clairement, je suis content. Alors, question. Est-ce que les rebelles espagnols, ils ont les technologies de l'Espagne? Ce serait logique. Mais si c'est le cas, en tout Théoriquement. cas, si c'est le cas, en tout cas, je suis baisé. Hein. Je vous le dis, Tech 12, je vais les avoir en théorie, hein, parce que j'ai un peu plus d'hommes et encore. Mais quand même, ça va être chaud. Dépend combien soulève. Il y en a 12 000 et on est 16 000, quoi. Un peu plus. Ça peut se faire. Ok, c'est eux qui m'attaquent, donc là ça devrait passer en théorie, J'ai on est un en voisin défense qui est dans les montagnes. technologie 7. Ah, technologie 8 déjà. Oh là là. Allez, vite, 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 vite. Choc de cavalerie, ça fait mal. L'infanterie, c'est une blague. Ça commence à devenir intéressant, mais. Alors je peux pas voir leur technologie par contre aux rebelles, mais ils ont un moral un peu inférieur. Putain, j'ai souffert. Là, pendant ces guerres, j'ai souffert. Mais heureusement, là, je suis en paix avec tous mes voisins, que ce soit les Espagnols ou Quito, qui sont en fait mes deux seuls voisins. Donc, en théorie, aucune menace n'est présente. Et on va pouvoir enfin se reposer un peu. Ça sera un épisode un peu chill pour nous. On peut passer notre. On peut pas? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas. J'ai la province de rebelle, oui. Si tu veux accélérer le temps, moi y'a pas de problème. Oui, carrément. Clairement, clairement, tu peux y aller. Parce que moi faut que je passe mes sièges donc. J'attends toujours qu'un Européen veuille bien parquer pas loin de chez moi. Ah ouais, ça va plonger le pays dans une guerre civile, quoi. Oh, Mexico, revendiqué à nouveau par la France. Dis donc ça, ok. Le problème, c'est comme ils ont des revendications sur moi, je peux pas m'allier avec eux. Somme toute, un peu gênant. Après, si t'as pas de problème avec les Espagnols, toi tu peux t'allier avec l'Angleterre par contre, si t'arrives à trouver un contact. Ouais, mais les Anglais, généralement, ils sont beaucoup plus au nord. Oh, mais ils vont descendre, hein. À mon avis, ils vont descendre. Ou alors, si c'est pas eux qui descendent, c'est toi qui vas découvrir des cartes. Ah, oh, je peux me convertir au christianisme. Comme tu le sens, si tu veux le faire. Est-ce que du coup ça supprime le délire de réforme religieuse et du coup j'ai plus besoin C'est de. fort probable. Parce que si c'est le cas, c'est mille fois le, c'est mille, ça vaut mille fois le coup. Hein. Allez, on va prendre un risque. Ouf! Perte de 4 stabilités, quoi. Oui, ben oui, forcément. Alors attendez, je veux juste. On va juste économiser un tout petit peu plus les points admin. Et après, on verra. Parce que là, c'est un peu chaud. Mais je pense que c'est bien parce que ça va me permettre de mieux m'entendre avec la France, qui est pas protestante. Je vais regarder d'ailleurs les religions à Madrid. Ok, à Madrid et à Paris, c'est du catho. Après le reste, je peux pas vraiment le voir. Hein. Parce que le problème, c'est que, ouais, ça va faire des rebelles. Et j'ai pas de quoi les gérer, les rebelles. Donc soit j'ai de quoi remonter ma stab super bien. Ce qui est presque déjà le cas quand même, j'ai 750 points, je veux dire, c'est pas mal, mais. Allez, go for it. Le Saint-Père en sera impressionné. Ok, Si je suis remonté à 1. ça te permet derrière de vraiment récupérer, de pas avoir les réformes et de pouvoir progresser, pourquoi pas? Après, c'est toujours un peu dommage, dans le sens où, ben voilà, t'as plus le. Ouais, j'ai plus le délire de réforme. Yes! Tant mieux. Parce que là, mon gars, j'étais clairement pas. J'avais clairement pas dans. Enfin, je pouvais pas prendre les 4 réformes d'un coup pour prendre les institutions. Là, je vais pouvoir prendre les institutions maintenant. Non, attends, excuse-moi, je suis obligé.
ça pour regarder si je peux avoir les vassals des deux côtés. Bon, ça tombe bien parce que de toute façon j'ai un peu le bordel donc au moins j'en profite pour faire mes trucs. Je retire la pause. Vas-y. Alors, coup des technologies, missionnaire plus 2, puissance des missionnaires contre les hérétiques, ça va m'être utile. Pour la technologie, c'est pas très terrible, mais. Mais j'ai qui? J'ai demandé des vassaux, il m'a pas mis en vassal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, bah je suis plus un pays primitif apparemment. Donc ça, c'est bien. Par contre, moi, je suis dégoûté parce que j'avais demandé la vassalité. T'as pas donné. J'ai bien cliqué pourtant, c'est certain. On va falloir, convertir tout ce bordel maintenant. Bon, grâce à une décision, j'ai trois missionnaires maintenant. Alors ça va coûter de la thune, mais je pense que c'est carrément la peine de le faire. Alors là, j'ai pas compris, j'ai demandé de la vassalité. Oh, oh mon Dieu, mec! T'as récupéré toute la vision des cartes? Non, mieux que ça. Maintenant que je suis plus une nation primitive, je peux exploiter l'or, mec. Tu sais combien de ducats je gagne avec l'or? 17 ducats, je suis à plus 15 de solde avec tout à fond. J'ai ma maintenance à fond, je gagne 15 ducats, mec. C'est dingue parce que sur le coup, je m'en rends pas vraiment compte, mais genre j'aime tellement ce jeu qu'on entend toute la passion dans ma voix quand j'ai ce genre d'event qui me donne de la thune à fond là comme ça. Ah ouais, mais mec, là, je suis tellement au paradis, quoi. Oh, mais j'ai également découvert les cartes, Bah oui, tu partages toutes les cartes du groupe de ta religion. hein! Ah, je suis trop content, mec. Ah oui, d'accord, donc le Maroc, il est en PLS. La Tunisie, elle est pas mal. La France, alors attends, on peut regarder les... Ah ouais, les protestants et tout. Ah, je suis comme un gamin, là. Oh! Et un truc intéressant, c'est que l'Espagne a en effet quelques territoires, un seul d'ailleurs, contre la France. Un seul territoire contre la France. Ah ouais, non, mec, là, vraiment, je suis content. Alors, la France qui nous demande des cartes, je vais accepter. Non mais là, mec, j'ai la thune infinie, je peux construire des trucs partout. Je peux faire des bâtiments partout. Bah moi je suis parti en guerre, si je me débrouille j'ai 4 vassaux, si je me débrouille pas je suis pas bien. Mais... Oh, mais quand je te dis, mais quand les Européens vont se poser à côté de toi et que tu pourras te convertir, tu vas. Non, je vais pas me convertir, je vais me réformer. Ouais. Et je serai plus primitif. Bah écoute, moi je sais pas s'il y avait un autre moyen de ne plus être primitif que de se convertir, mais en tout cas moi je suis complètement content là. En train de passer mes premières idées donc. Je peux devenir défenseur de la foi, quoi. N'importe quoi. Bon truc quoi, modification. Oh, je gagne de la stabilité, signe favorable, c'est bien ça. Ah ouais, non, mais par contre, l'or, mec, c'est n'importe quoi. Genre là, je peux tellement gérer deux colonies en même temps. Ah mince! Alors il y a un défaut à ça quand même. Oui. C'est que j'ai perdu mon colon du coup. Parce que j'ai plus ma réforme machin. Bah oui, il te faut C'est logique, c'est pour logique. monter tes idées. Mais franchement c'est pas grave, ça valait le coup je pense. Là, Quito, on va pouvoir les ouvrir je pense. Parce que technologiquement on va pouvoir remonter. La trêve avec Plata espagnole. Ouf. Ah ouais, il manque pas d'alliés les Espagnols par contre, hein. Non, 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 généralement. Parce que pour te donner une idée, les mecs ils sont alliés avec les Pays-Bas, les États pontificaux, Milan, le Portugal et la Grande-Bretagne. C'est Oh, clair. les Pareil Ottomans pour ils ça. sont super fat aussi. Je suis déjà en train de faire tomber les forts, moi. Le pape il a mangé tout Naples, il a mangé tout Ferrare aussi. Ah, il est... Ferrari, hein, d'ailleurs. Ferrare, ouais.
Ah, et un truc intéressant aussi, Venise, elle n'a plus que l'île de Venise, et son territoire, il a été pris par Mantoue, un état italien. Bon. Elle est pas mal insolite, la carte, quand même. Non, mais le mieux, c'est la France qui est empereur, ça, par contre. Hein. Non, ça peut m'étonne pas plus que ça. Oui, c'est vrai que ça arrive parfois, mais pff, quand Faut, même. si tu peux voir l'Autriche, savoir si elle est en union personnelle, ce qui a de grandes chances. Alors l'Autriche, bah non, c'est un état tout à fait indépendant, mais qui est apparemment juste pas assez puissant pour être empereur. Il est même pas électeur, quoi. Il est dans l'Empire, mais c'est voilà, c'est un état de l'Empire tout simple. D'accord. Bon, c'est assez ridicule. Alors c'est marrant parce que je peux adopter le colonialisme avant d'adopter la féodalité. Bon, bah, pourquoi pas. Ça te fait déjà ça en moins. Par contre, pour la presse à imprimer, il va falloir construire des trucs, non? Non, faut être protestant. Sinon, il y a. Faut être une capitale européenne. Faut avoir un certain niveau de développement, je crois aussi. Ah bon, en gros, vaut mieux que j'attende que ça vienne des Européens plutôt que. Parce que je peux rien faire d'autre, quoi. Très bien. Alors là, du coup, avec la thune que j'ai, je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Ah, les apothèques viennent d'avoir la fin du monde sur leur tronche. Allez, c'est ma tournée. Bang. Bon, j'ai peut-être un peu abusé, mais. On peut avoir des centres de recrutement déjà. Ouais, j'ai complètement abusé. C'était stupide. Ah, tant pis, on aura perdu de la thune, mais. Je suis un peu. Je suis un peu allé trop fort. Intéressant, mon roi est devenu docte, ce qui lui fait un coût des technologies de moins 5%. C'est bien ça. Excellent. C'est particulièrement bien en effet. En guerre contre Tlaxcala, Colima, Tarasque et Tlapanec. Ah bah dis donc. Oh oui, mais je les écrase donc. On essaiera d'aller voler des cartes aux Espagnols. En fait, je pique ses vassaux là. Donc, je viens de Si je mets. récupérer un vassal, un premier quand même, c'était pas mal. Donc, je vais pouvoir. Non, même pas besoin de sacrifier leur dirigeant en fait maintenant. En fait. Ah oh, putain, c'est chiant à cause de ce petit wasteland à la con. Ah, ils sont en guerre contre les Wankas. Attendez, j'ai récupéré combien de vassaux? Salastec. Ah mais je suis en guerre contre lui, oui d'accord. Peux pas récupérer le vassalage pour l'instant. J'ai des Français qui se baladent sur mon territoire, je viens de voir ça à l'instant. La prochaine tech diplo, je pourrais voler des technologies. Ou plutôt étudier les technologies pour être plus précis. Donc je vais pouvoir voler des techs aux Espagnols et en effet, c'est fort bien. Encore en guerre contre le Maroc, putain. Les Totomacs viennent d'avoir la fin du monde sur eux. Et des cartes. Ah bah c'était mes voisins. C'est quoi le bouton pour voler les technologies? Je le trouve pas. C'est dans Action clandestine, je suppose. Voler des cartes, causer un conflit commercial, entacher la réputation, retarder le recrutement. Non, y a rien pour les technologies. C'est bizarre. Est-ce que je peux demander des cartes à la France? Ah oui, non, d'accord. Non, généralement ils acceptent pas. C'est une puissance coloniale, du coup ça me fait moins 1000. Génial. Et ce steak. Oh, la Russie est formée d'ailleurs. Elle est belle. Bon bah voilà. Théoriquement, là. Oh, c'est pas possible, vous voulez pas me laisser un peu de répit? Quoi, tu veux me prendre Saleté une bière? d'Espagnol, quoi. Bah ouais. Oh, ils ont des revendications sur toi? Bah non, je ne comprends. Ah bah ils viennent de faire des colonies. Ça explique pourquoi. Ils viennent de faire des colonies, du coup depuis les colonies ils ont dû faire des. Enfin je sais Non, pas, non, c'est franchement qu'en je fait comprends ils pas ont le trop. colonialisme, comme vous avez des colonies en commun,
Il te déclare la guerre. Ok, est-ce que tu peux juste te mettre en x3 du coup? Sûr. Ça me sera fort utile. Ok, il y a une guerre civile en Quito. Bon bah là au moins je sais qu'ils m'attaqueront pas dans le dos comme ça. Une bonne nouvelle. Et bah contre les Espagnols maintenant j'ai plus grand chose à faire. Hein. Pour le coup. C'est juste que eux ils vont se soulever. Ça c'est pas bon. Moi je passe mes doctrines, là je peux baisser la maintenance des mercenaires. Tiens c'est cool, tu sais je fais le truc militaire pour les rebelles là, et aussitôt ils arrêtent. Mais genre tu sais j'aurais attendu un jour de plus, j'aurais économisé mes 30 points, ils auraient arrêté quand même. C'est juste qu'en fait vu que je suis en train de convertir tout le monde, c'est un peu tu sais. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, ouais. C'est un peu la merde quoi. Ils tirent Mais tous la quand tu viens tronche de te mais. convertir, généralement tu as pendant 4 ans ou 5 ans, tu as un bonus. À plus 10 de... Mais en tout cas, j'avais une décision qui m'a donné je sais plus combien de bonus, ouais. Pas mal de bonus en effet. Et j'ai gagné pas mal d'influence sur le pape d'ailleurs. Bon, j'ai pas de cardinal, donc pour l'instant ça sert vraiment à rien, mais. Oh, et ça y est, la guerre de 30 ans. La Ligue catholique et la Ligue protestante. Donc on peut pas rejoindre parce que nous sommes pas dans le même continent que le Saint-Empire romain. Voilà. Où mes voisins sont en train de se faire massacrer. Dérange pas. Et je suis en train de prendre pour l'instant un autre personnage. Plus d'armées que moi, il va falloir que je fasse un peu attention. Alors je vais essayer de finir mon siège là, qui est à 7%, qui est pas très loin de se terminer. Et on s'arrêtera là pour cet épisode par contre. Ouais. Moi, j'enverrai des troupes traverser ce bordel et puis on essaiera d'aller emmerder un peu la plata espagnole. D'ailleurs, je vais y aller maintenant. Hein. Allez, c'est parti. Go De toute façon, traverser. tu vas le repiquer des territoires. Hein. Bah là, j'ai moins de territoires que je pourrais prendre. J'en ai qu'un seul. Et je vais pas me gêner, hein, mais. En fait, ils se sont mis à colonner. Colonner. Ils se sont mis à. Tu sais, la plata, c'est tout le Chili et l'Argentine. Et si tu Et là, regardes, les ils ont commencé à territoires sont coloniser en toujours pour Argentine, en l'instant fait. aux Espagnols. Ils peuvent en profiter. Ah, j'ai le... Attendez, je crois que... Un truc à la part des Portugais. Ah, ils ont un casus belli contre moi. Quelle belle nouvelle. Ah, il essaye de constituer un réseau d'espionnage, d'accord. On continue d'incendier leur colonie parce qu'on n'a pas de pitié. Hein. Par contre, le problème c'est que je vois pas la mer en fait. Je vois juste vraiment le territoire. Ah merde, ils ont envoyé. Je vois pas la mer, du coup s'ils débarquent en fait je pourrais le voir qu'une fois qu'ils l'auront fait. Alors par Et ça, contre, c'est on pas va... cool. Attends, je vais juste essayer de chasser l'Exilius. Si je peux les avoir, ça serait très drôle. En retard, hein, ils sont avec une... Et je les démonte, donc ça va. J'ai plus de morale, j'ai plus de... Donc voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Ouais. Donc mon allié est en train de se faire massacrer, mais moi c'est pas gênant parce que je veux vassaliser quelqu'un d'autre, donc c'est très bien. Donc en tout cas moi j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à aller voir les différents points de vue, à vous abonner à la chaîne, aux deux chaînes si ce n'est pas déjà fait. À vous abonner également à Twitter pour suivre l'actualité des deux chaînes. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Ciao!